Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc avant de continuer ce petit opus sur The Last of Us, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches, et j'espère que vous allez passer un petit moment sympathique avec moi. Donc c'est parti! Bon allez, c'est parti! Voir un petit peu ce qu'on a là-dedans. Lina? Jesse? Bon, déjà, on va rechercher nos poteaux si on les trouve. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? C'est quoi ça? Faites la guerre, pas l'amour. Ouais. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Ben oui, mais il est plus de ce monde, donc malheureusement, il peut plus l'apprécier. Bon, par où sont-ils allés? Voyons voir. Je pense qu'ils sont tout au fond. Dina? Jessie? Youhou, vous êtes où? Moi, je tourne en rond comme une conne. C'est déjà par où? Là, c'est par où je suis arrivé. Suivez la lumière. Ensuite, la lumière rouge. C'est... Ah bah voilà, c'est derrière le rideau. Bon, il n'y a personne, on dirait. Ils sont où tous les deux? Alors, voyons voir. Ah ben, on va passer par là. Biscuit sec ou bien? Ah non, regardez-moi la pauvre qui roupille. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Et oui, mon gars. Je comprends pourquoi tu es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais.
Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. Bon, allez, ta carte, c'est parti. Ça devrait être par là. Ouais. Évidemment, on part quand il flotte. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Tiens, viens m'aider. Ok, vas-y. Et pourquoi c'est moi qui dois t'aider, hein? Franchement. On aurait pu faire l'inverse, ça aurait été mieux. Plus galant, surtout. Bon, allez. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà comme arme? Le fusil, un ou deux flingues, il n'a pas 36 000 trucs, qu'est-ce mais bon. T'as dit à Dina? Qu'on espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. Alors, je vais quand même faire un aller-retour là-dedans pour voir si on a quelque chose d'intéressant à prendre. L'aquarium, c'est une base wolf? Non, je crois pas. Nora a dit... Kaby se cachait là-bas. Alors, est-ce qu'il y a une cochon? Non. Il n'y a pas d'infecté, ouais. C'est déjà ça. Joël s'est brouillé avec des lucioles. Quelques ressources, nickel. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Là-dedans, il n'y a rien, une comme d'hab. Une bagarre éclatée, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. Bon, il n'y a pas grand chose là-dedans, donc on va continuer. On aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok, on est d'accord. On passe en bas, allez hop. Ensuite... Là, je peux pas monter. Bon, pas le choix. Je trouve que c'est quand même nettement trop calme. Je vais bien marrer une couille quand même. Hein. Il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir d'infecté. Okay, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Oh, des munitions, c'est bon ça. Encore des munitions, nickel. Là, plus rien. Ah, un coup de scotch. Est-ce qu'il y a quelque chose par là encore? Alors, là, il n'y a rien. Je vois de la lumière. Ah, 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 un ciseau, nickel. C'est coincé? Ouais. Est-ce que la porte... Ah, la porte. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça? Hein? Comment ça? Ah ben, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Évidemment. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. Rien, t'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Là, voilà. Faut se barricader comme ça, c'est jamais bon. Bon, on va quand même y aller, hein. Ça fait combien de temps que Dina est malade à ce point? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolf. Un petit établi. Tu serais resté sur le cul.
Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que je peux modifier? Alors. On est combien? 89. Donc voyons voir. Sur l'arc, je peux quoi? La vitesse. La stabilité ou la télémétrie. Choix compliqué. Allez, va pour la télémétrie. Voilà, ça c'est fait. Et je peux rien faire plus. Moi avec la télémétrie, maintenant je peux voir la distance que j'ai entre le méchant et moi. Après, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux améliorer. Pêche explosive, c'était bien ça. J'ai vu un truc. Ah, une porte. Là, on a quoi? Des petits explosifs. Où c'est qu'on est en sous-sol, mais bon. Alors, on fait un petit tour du proprio pour voir s'il y a quelque chose à ramasser. Là-dedans. Ah, si, si, il y a un coup de scotch. Bon, là, il n'y a rien. On déplace la petite caisse. Hey, viens m'aider. Passe sur toi, surtout toi pas. Hein. Allez, vas-y, pousse. Évidemment, c'est tout à fait silencieux. Par ici. Ah oui, je viens de pousser la caisse et forcément qu'on va passer par là. Hein. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Ah 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 ah. Où il y a plein de méchants. Ça grouille là. Qui t'a dit ça? Le chef en fait. On s'assure que la voie est libre. On va laisser les faire, mais en silence. La dernière fois, ce sera pas comme la dernière fois. En. Il y en a en tout cas deux, ça c'est sûr. Oula, oula, oula. Mais viens, viens, viens. Merde, merde, je peux pas voir. Donc, on va les avoir les deux derniers. Ah non, il y en a un, deux, trois encore. C'est bon, un là derrière. Ah, est-ce que j'avais à aller par derrière? Oulala. Allez, non, c'est pas bon, ça peut désinguer. Bon. Ah, un coup de hache, ça va bien ça. Toi aussi, tu vas ramasser. Allez, tiens. Allez, encore un coup. Et merde. Esquive, esquive. Voilà, tiens, allez, hop. Et hop là. Ça c'est fait, plus en plus des munes. Il devrait rester une personne normalement. J'ai plus de kit médical, c'est la merde. Derrière toi. Oh, putain. On va ramasser. Ah non, il y en a encore un là-bas au fond. Allez, tiens. Allez. Bon celui-là. Par contre, j'ai plus de munitions. L'autre flingue. Lui, il a rien. Putain, il y en a encore une. Allez. Premier coup. Oh que c'est bon ça. Et voilà le travail. Les ils sont par là. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites.
Moi, je les ai entendus les appeler Scar. Oh, merde, on a croisé ? Non. T'as de la chance. On pète tout et on fait un tour. Là, il n'y a rien. Pas grand chose dans ce bout. On va aller de l'autre côté. Un peu plus. Un tiroir. Munitions, nickel. Ciseaux. Ouais. Voilà. Kit, mais nickel. Petit, c'est nickel ça. Attends, qu'est-ce qu'on a encore? Des munitions. On a un truc encore sur la gauche là. D'alcool. C'est bien aussi. Et défoncer ça. Est-ce que je peux faire le tour par quelque part? Là, il y a une bouteille d'alcool encore. Je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas. Je pense que je ne pouvais pas. C'est pas grave. Et ici l'amélioration 35. Si je peux, piège explosif amélioré. Allez. 50% de rayon de plus, c'est toujours ça de bien. Où va-t-on? Alors, c'est quoi? Le Seattle, je sais pas pourquoi. Le Seattle Conférence. C'est quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas né à la bonne époque. Bon, fougère. Il y a quelque chose qui va se planquer par là. Vide. C'est chiant. Bien que je fasse un peu de réserve, ça serait quand même pratique. Bon, pas grand chose, malheureusement. Bon, bah c'est pas grave, on va continuer à grimper là-dessus, passer de l'autre côté, et puis on va aller de l'avant, hein. Il va bien en avoir par ici, je pense. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera... régler ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Alors, par où on va? Là, je pense pas. Là non plus. On va faire un petit tour pour voir si non, il n'y a rien. On va en face. Une moto, c'est dommage qu'on peut puisse pas les utiliser, les véhicules. Alors, on voit la grande roue au fond. Je crois que l'aquarium doit être juste là-bas. C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. Bah voilà. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Allez hop, c'est parti. Va falloir y aller à la nage. Il va encore se mouiller, parce qu'on est déjà trempé alors. Allez hop. Ah, le dégueu, il y a de la mousse. Allez hop, un petit peu d'accélération.
Est-ce que je grimpe là? Je peux monter ici? Ouais, nickel. Bon. Allez, viens là, mon petit Jesse. On va où maintenant? À tout droit. J'essaie de voir ça. Alors, par où là on passe? Là, c'est bloqué. Est-ce qu'on arrive à y aller de l'autre côté? Je dirais que c'est un peu coincé. Mais bon, ça j'aime bien. Ah, peut-être là-dessous. Deux. Ah là, il n'y a pas de passage là-dessous. Comme c'est ici. Bingo. Chose là. Allez, vas-y, tourne. J'ai bientôt plus d'air, oh putain, c'est de la merde. Je claxais, je clapsais. Et merde, voilà. J'ai fait l'abruti. J'ai voulu récupérer, et évidemment, j'avais plus d'air. Bon, même joueur recommence, cette fois, il faudra y aller plus vite. Alors là, j'ai mouru vraiment comme un gros abruti de service. Parce que j'étais trop concentré sur le fait de récupérer la l'alcool et non en surveillant ma jauge. Donc là, c'est je trace, je vais même pas m'arrêter. J'ai l'air d'être assez loin. Ouais, heureusement. Hein. On n'a pas des poumons de dauphin. Hop, pas bon, hein. Là. Par contre, c'est ce que je comprends, mais je suis pas sûr, mais c'est droit. On va passer où il y a Jesse qui est passé. Super loin, ça trouve. Bon, on la voit, c'est bien ça. J'en ai pas l'impression. On finira par y arriver. C'est pas en haut. Tu crois que tu peux te glisser là? On va voir. Allez, viens là, mon couteau. La trompe d'eau sec, ça fait pas mal. Hein. Bon. Je t'aurais suivi, tu sais. Qu'est-ce qu'on a si beau dit que tu partais. Et d'intéressant par ici? En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serais venu. La mort, y'a rien. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il va descendre, hein, je crois. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec. Et t'es pas vraiment mon genre. Quoi? T'aimes pas les Asiates? Ouais, infecté. C'est ça, t'as tout compris. T'as pas l'air, hein. Ah. C'est carrément tordu. Tu montrais ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Ah. Ils t'entraient dans le journal. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a encore? T'avais un livre préféré quand t'étais petite? Ouais. Champi. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre... Des fantômes. Un petit kit, ça c'est bien. Ah. Ouais. Ça m'étonne pas de toi. Ok. Et toi alors, hein? Bah... Ma mère avait qu'un seul livre pour enfants. L'enfant racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son village. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait les cauchemars. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais. Elle est super, ma mère.
Par contre, elle va péter un plomb en apprenant pour le bébé. Ouais, je vais bien le croire. On en fait un peu le tour, par là, en bas. En haut, on en fait le tour aussi, il n'y a pas grand-chose. Bordel, il s'est passé quoi ici? Ces types peuvent vraiment pas se saquer, on dirait. Je crois que ça remonte à plusieurs années. Je me demande comment ça a commencé. Là, par contre, il y en a deux, trois trucs intéressants. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah, ok. Wow. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. Ah, je vais passer derrière lui. Et bien, alors on est derrière les grillages, nickel. Il y a pas mal de trucs, c'est chouette. Des munitions, des kits, ça c'est chouette. On fait un petit café. Il n'y a plus rien. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Et bien, on va pas faire là-bas. Ah oui, deux trois petites choses sympathiques. Bon, hop, on va voir Jesse. Alors, par où on part? On va voir pour voir où est la grande roue. On va essayer de se ce côté, hein. Ah. Donc on est du bon côté. On l'a eu! Regardez s'il reste des survivants! Ouais, des scars, des wolves. C'est du bon boulot, ça. C'est pas trop. C'est du sérieux, cette tempête. Ça doit pas être facile de naviguer par ce temps. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. C'est bien des wolves, en tout cas, ça c'est sûr. 1, 2, en plus ils ont Cleps, c'est pire. L'autre il est loin. Logiquement, je vais pouvoir le faire. Celui avec le chien. Il faudra d'abord attaquer le chien parce que c'est celui qui me coule. Voilà. La flèche explosive, c'est pas mal. Le petit fusil de chasse, ça, il va bien. Gentiment. Allez, on se disperse. Il y a peut-être des scars dans le coin. Il n'y a pas d'escars. Viens là, rapproche-toi. Je te fais snipper. Le chien, c'est le fait. Maintenant, voilà. Il a rien compris, il s'est fait avoir. Ça va, on était deux. Il est où l'autre là-bas en haut? Ça, il est loin. Hein. Comment ils ont pu se tirer? Allez, on va essayer. J'y arrive pas, il est trop loin. L'autre est juste là, je l'ai pas vu. Il y avait un furtif, si on y arrive. Où ils sont passés? Je vais me les faire. Bah viens, on t'attend. Thank you.
quelqu'un les a repérés? Je vois rien du tout. Là, ils ont pas mal, je pense. Hop, ça. Les caps, c'est même pas, t'as pas voulu. Et voilà. Tout en furtivité, mais malheureusement, j'ai plus de flèche. L'autre, il, par contre, il est descendu. On peut pas prendre le fusil, c'est bien. Approche-toi gentiment. Je ne veux pas te faire de mal, promis. Juste une grande souffrance. Allez hop. Bon, tout en furtivité. Donc lui il est loin. Allez hop, tiens. Il arrive dans la tronche. Magnifique. Il y a un ou deux qui vont arriver. Pas sûr, peut-être qu'on peut tous suivre. Ah non, j'ai vu un petit truc qui a scintillé, donc je pense qu'on en a encore un qui traîne. Mais où ? Là-dedans, ça a l'air d'être là. On va faire un petit tour du proprio. Voyons voir ce qu'il y a de beau. Et merde. Il est juste là. Viens là mon grand, viens là, je te chope. Hop, c'est bon. Qu'est-ce que je change? Non. Non, j'ai pu changer mon. Je crois que c'était le dernier. Mais... Ouais. Et attends, qu'est-ce qu'il y a? Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. C'est clair. D'abri là, non. Par contre, on peut grimper à l'étage, ça peut être sympa. Alors. Il y a un truc de droguerie ou de tissu. Ciseaux, ça c'est plein, je peux plus en prendre. Un truc de tissu, ouais. C'est bon. Dessus. Deux, trois trucs sympas. Des munitions aussi. Alors, qu'est-ce que je peux améliorer là? Des flèches ou des corps à corps. Un flash. Corps à corps, ça va, je peux quand même l'utiliser. Les flèches, tout va bien. Et là, je peux. Qu'est-ce que je peux améliorer? Le kit ou le cocktail Molotov. J'ai point de vue santé, ça peut être pas mal faire le kit, mais bon. Ouais. Le kit, c'est quand même primordial. Plus vite on peut soigner, mieux c'est. Ouais. C'est beau là, on a des munitions. Bien. On passe par le côté. Et
qu'il y avait quelqu'un, mais non, on dirait une statue. Ouais, c'est ça. Des statues. Après, je pensais peut-être enlever des trucs à récupérer, mais ça a l'air d'être bien vide, hein, quoique. Un truc au sol, c'est quoi? Ah non, une brique. Bon. Très intéressant. En fait, on aurait pu passer par là avant. Bon, on peut pas accéder derrière, tant pis. Mais j'ai vu qu'il y avait une petite feuille là. Je peux améliorer quelque chose. Un kit, parfait. Voilà. Donc j'ai deux kits médicaux, c'est pas mal. Prendre un peu de hauteur. Bon allez, c'est reparti à la flotte. On passe dessous. On peut grimper en dessous. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, allez, à bientôt. Ciao, ciao.